l'école Mévasseur. Harry, elle a fait de la Kabbalah. Et toi ? Ariel Achetboun, bonjour. Chaque semaine, tu nous délivres un enseignement issu de tes livres et études de Kabbalah et Chassidout avec ton maître, le Rav Korda, et tu transmets cette sagesse, le titre de tes livres, Une année avec la Kabbalah, secret de la Torah et des fêtes juives. Nous avons ouvert la semaine dernière un nouveau livre de la Torah, le cinquième et dernier livre à Devarim, dans la paracha de cette semaine, la section hebdomadaire lue le Shabbat, Vaetranan. Nous allons parler entre autres de la prière, la force de la prière, de l'éternité des actions de Moïse, d'Eretz Canaan, Eretz Israël, mais aussi de l'affirmation du divin par les différents noms de Dieu. Nous parlerons d'Elohim, Shem Elohim et Shem Havaya, Yud Kevavke, le tétragramme divin, mais commençons par évoquer le thème de la prière. Moïse implore Dieu de le laisser entrer en terre promise. Et si cela ne se peut, alors que Dieu le laisse ne serait-ce que survoler Eretz Canaan, comme un oiseau le ferait. L'oiseau est libre, en relation avec le Makif, infiniment léger. Moïse est un peu oiseau, et une si faible perception de la matière et des choses concrètes. Être oiseau, cela aurait été comme entrer en terre promise, mais sans aucune possibilité d'action matérielle. Et Moïse voulait y réaliser les commandements liés à la terre. Non, Moïse ne survolera pas Eretz Canaan, mais Hachem donnera à cette âme immense l'occasion de la contempler d'en haut. Il faut comprendre que si Moïse était entré en Eretz à ce moment de l'histoire juive, il aurait construit le temple. Le risque aurait été trop grand. Si le peuple avait fauté, les Bnei Israël auraient été irrémédiablement détruits, car ce que fait Moshe Rabbeinu est éternel et ne peut être détruit. Et comprenons avec toi, pourquoi tout ce que Moïse fait a un caractère éternel et quelle aurait été la grande différence, justement, si Moïse était rentré en Eretz Israël ? Contrairement au reste du monde qui s'inscrit dans le monde d'Assia, le monde de l'action, Eretz Israël relève du monde de Yetzira, dessein de la matière, pas encore matière. Le désir d'entrer en Eretz Israël était plus fort que tout pour Moïse. Il avait là la possibilité d'utiliser l'essence de cette terre unique pour répandre son influence sur le monde entier. Le Shem Elohim y est très présent. Qu'est-ce que c'est le Shem Elohim, ce nom particulier de Dieu ? C'est l'aspect des causalités naturelles. En Israël, la réalité est puissante, dure, mais le divin, juste à portée de main. Israël, c'est la terre de Dieu. L'affirmation du divin est plus forte que partout ailleurs. On comprend pourquoi les explorateurs ont craint d'entrer en Eretz. Ils vivaient dans le Shem Havaya, la pure transcendance du nom divin, le tétragramme. S'ils étaient entrés en Eretz, ils auraient dû alors se confronter à la réalité qui s'impose dans ces dures lois, celle du Shem Elohim, et tirer difficilement leur subsistance. Beaucoup trop concret pour ces âmes amoureuses de l'abstraction. Oui, comme tu nous l'as déjà enseigné, il s'agissait des âmes issues d'Atsilut, le monde de l'émanation, où débute le Seder Ishtalshelut, le début des mondes spirituels après la lumière infinie d'Hachem, en partant de Atsilut jusqu'à Assia, le monde de l'action, et où va débuter au fil des mondes la limitation de la lumière infinie d'Hachem avec le Shem Elohim, Midat Hadin Vatsimtsum, qui va donc limiter la lumière divine. Quant à Moshe, Moïse, lui aussi n'est pas dans la limitation du nom Elohim, mais relié à l'essence d'Hachem, au nom Yud Kevavke, le tétragramme divin à quatre lettres, Shem Havaya. Moshe non plus n'est pas en relation avec le Shem Elohim, du fait de l'élévation de son âme. Il vit en permanence dans le Shem Havaya, dans l'essence divine. Toute son œuvre pour libérer son peuple et pour lui faire accepter la Torah et les mitzvot a été de dévoiler le Shem Havaya. Moshe Rabbeinu voulait aussi dévoiler le Shem Elohim, mais son désir est vain. Son travail sur terre est terminé. Il doit laisser cette charge à son successeur. Aux marches d'Eretz, sur le point de passer dans l'autre monde, Moïse se projette. Dans cette paracha, il voit tout le peuple dans son histoire, jusqu'aux Juifs de notre génération, jusqu'à la Géoula, la délivrance. Et ce sera donc Yehoshua bin Nun, le digne successeur de Moïse, Moshe Rabbeinu, qui lui installera les enfants d'Israël sur sa terre. Alors Ariela, essayons de comprendre et développer davantage notre compréhension du nom d'Hachem, Havaya, Yud Kevavke, le tétragramme divin. À quoi ce nom d'Hachem est-il relié ? Le Shem Havaya représente les six sphirot, les six jours de la semaine, les six sentiments, le carcan des émotions, l'exil psychologique. Le libérateur sera la Bina, puisque chaque chose a une source d'origine divine. La libération ne peut pas venir des sentiments eux-mêmes. C'est l'intellect, la Chochma, guide des livres de la souffrance psychologique. Et l'Égypte, c'est précisément l'enfermement des sentiments.
Pharaon était le maître des sentiments naturels, des émotions. La sphira Bina est prête à tout pour son enfant. Elle est active. C'est la Bina qui fera renaître ces 600 000 âmes juives prisonnières de la matière. Donc si on comprend bien, la Bina, autrement dit le côté féminin, est source de libération des enfants d'Israël. La Bina sort d'Égypte et fait revivre les 600 000 âmes d'Israël. Puis arrive la révélation du Sinaï et seulement à l'issue de 40 années, l'entrée en Eretz Israël. Qu'est-ce que cela veut vraiment dire, entrer en Eretz Israël ? C'est l'aboutissement d'un processus en trois étapes qui consiste à s'éloigner du mal pour parvenir à faire le bien ensuite. Premièrement, sortir d'Égypte, c'est la sphira de la Bina qui entre en action. Ensuite, recevoir la Torah, c'est la révélation du Da'at, la conscience divine, comme intermédiaire. Et enfin, entrer en Eretz Israël, c'est l'action de la Chochma. Dieu procède ainsi avec nous, selon ces trois modalités successives. Alors, si l'on reprend, dès que la dernière tribu entre en Égypte, nous entrons en exil. Après de longues souffrances, un libérateur apparaît, Moïse. La résistance farouche de Pharaon à laisser sortir le peuple juif conduit le Shem Elohim à son paroxysme. Les 10 plaies miraculeuses transforment le monde naturel. À ce point paroxystique, le Shem Havaya peut se dévoiler. Et c'est par la tribu de Bina que Moïse nous fait sortir d'Égypte, nous fait sortir d'exil. Alors, quid des différences entre Bina, Da'at et Chochma ? Tu nous as parlé de la sphira Bina, qui elle fait sortir les Hébreux d'Égypte. Quant au Da'at, la conscience du divin se révèle au pied du mont Sinaï. Au mont Sinaï, Dieu nous donne son enseignement, sa Torah, sa loi. Là, nous recevons notre âme divine, nous en mourons et l'on nous fait revivre. Nous obtenons la conscience du divin, le Da'at. Nous accédons ainsi à un système de pensée totalement inédit. Le Matan Torah est le moment de la réception de cette structure si particulière, si spécifique, qui est aussi une conscience, un état de fusion avec le divin de la création. C'est le Da'at. Shema Israël, Havaya est un, Havaya et Elohim ne font qu'un. C'est l'état de conscience que doit entretenir le juif de son lever à son coucher et chaque jour de sa vie. Nous atteignons le niveau spirituel requis pour tout juif par la matière, en agissant sur la matière avec une kavana, une intention de révéler le divin, tout le travail d'une vie de juif. Et c'est là bien sûr le sens du schéma Israël que nous prononçons afin de garder et affirmer l'unicité de Dieu. C'est aussi un moyen pour le peuple juif de voir plus loin que la simple perception des yeux, voir plus profondément les raisons et causes spirituelles. Ainsi, notre structure spécifique nous sépare du monde des autres nations puisque notre vitalité peut uniquement provenir de la Torah. Mais comme il est difficile d'accepter la Torah et les mitzvot, le juif veut bien l'étudier. Quant à la mettre en pratique, dans son intégralité, il s'agit tout de même de modifier la perception que nous avons de la réalité. Cette résistance que l'on oppose depuis toujours aux mitzvot, aux contraintes imposées par la Torah, cet aspect nukred qui nous est reproché depuis le veau d'or, c'est cela même, être juif, c'est notre esprit critique, ce trait de caractère qui nous fait prendre de la distance avec toute chose, dans une tension dynamique permanente entre vouloir en être et vouloir rester en dehors, c'est cela être juif. Nous sommes en état permanent de avdala, de séparation, jamais complètement dans le monde, mais jamais détaché de ce monde. Nous voulons et nous devons l'influencer, ce qui n'est possible qu'en étant influencé par le monde. Voilà toute la dialectique du juif par rapport aux nations. Et c'est d'ailleurs ce qui pose problème aux nations. Le Midrash dit qu'au Sinaï, Sina, ça veut dire la haine en hébreu, la haine est descendue avec la Torah. Le monde nous a haïs. En réalité, cette haine est le désir mimétique de transformer la matière. Pour revenir à notre processus, la dernière étape est d'entrer en terre promise, au sens propre comme au sens figuré. Israël est Chochma, l'intellect, notre moi adulte. Les sentiments reconstruits, débarrassés des émotions naturelles, pure réflexion, perception renouvelée du monde, regard nouveau sur les choses, capacité réelle d'écoute de l'autre, humilité d'un esprit qui accepte d'apprendre encore et qui refuse tout dogmatisme. L'exact opposé de la pratique de la Avodah Zara, l'idolâtrie, qui recherche sur le mode passionnel une matière facile à modeler pour répondre à son besoin de connexion avec le Shem Elohim.
Alors, pour conclure Ariella pour aujourd'hui, à la différence de l'exil, la galoute, lorsque nous entrons en Terre Sainte, Eretz HaKodesh, Eretz Israël, nous perdons la vision limitée du Shem Elohim, mais en revanche, notre perception du divin prend un tout autre sens, puisque nous sommes alors reliés à nouveau à l'infini, au travers du Shem Havaya, le tétragramme divin. Tout est plus dur en Israël. La lutte pour la vie y est plus âpre que dans les pays d'exil que nous quittons. Mais ici, et ici seulement, si on perd le Shem Elohim, on gagne le Shem Havaya, la révélation transcendante. L'évidence dans chaque événement de l'existence que rien n'arrive par hasard, que tout a un sens, qu'aucun don, aucune rencontre, aucune épreuve n'est gratuite. C'est pour moi, pour me faire comprendre ce que je devais comprendre, pour progresser, pour m'élever. Le secret, c'est de cesser de lutter contre, de travailler pour mon accomplissement personnel. Il faut fonctionner avec ce que l'on est, se révéler à soi-même et se travailler au corps. Ne pas vivre la vie d'un autre, ne pas faire le travail d'un autre, devenir qui l'on doit être, travailler, étudier, s'épanouir dans le Shem Elohim, la vie matérielle, et entrer dans le destin que Hachem, le Shem Havaya, a construit pour chacun de nous. Shabbat Shalom. Et on va finir avec ce que Rabbi Chaim Mivolojin conseille de répéter et de méditer avec concentration. Ein od milevado. Merci beaucoup Ariel Hachetboun. Shabbat Shalom Mevorach. Je rappelle le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives, à commander sur Amazon.fr.